Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle, dans cette vidéo, on va faire un tuto comment avoir un fond d'écran Naruto ou comme vous voulez sur votre PS4. Bon bah déjà il faut d'abord l'allumer comme vous devez le savoir. On allume la belle PS4. En vrai, je sais pas si pour Noël je vais avoir la PS5, mais mon père il a pas trop les moyens en ce moment. Hein. En gros. Je vais me contenter de la PS4 en plus, ça me va très bien la PS4. Pas besoin d'une PS5 quand on a une belle PS4 qui marche bien. Je disais, vaut mieux une PS4 qui marche très bien qu'une PS5 où tu connais pas les commandes. Donc les gens, regardez, j'ai un fond d'écran Naruto. Je vais vous montrer comment on fait. Vous allez dans Communauté. Ensuite, les gars, c'est très simple, vous allez dans Recherche. Vous allez sur Les saisies, je sais pas trop. Le ou les mots clés. Ensuite, vous marquez Naruto. Bien sûr, faut faire rechercher. Attention, attention. Vous allez au tout premier. Après, il y a plein de communautés, donc voilà, il y en aura plein. Vous allez dans la toute première. C'est là où il y a le plus d'images intéressantes. La suite est très simple. Vous choisissez votre image. Bon, par exemple, je vais en choisir un. Disons, je choisis celle-là. Attendez, ça bug un peu. Donc vous cliquez sur l'image que vous voulez. Et puis là, vous faites afficher l'image. Attendez, on attend. On attend, on attend. Jonathan. Plus personne ne l'a fait cette blague. J'ai l'air d'un gros 2010 en disant ça. Je fais une coupure parce que c'est un peu long. Et voilà les gens. Donc voilà. On a ça. Vous enlevez le truc pas beau en appuyant sur croix. Merde. Attendez. Et vous restez appuyé sur Share. Et ça prendra une capture d'écran.